Et maintenant, un combat dans la catégorie des poids welter. On a ici un véritable combattant de MMA. Il n'est spécialisé dans aucune discipline, mais chacun des aspects de son jeu est parfaitement rodé et c'est cette polyvalence qui fait sa force. Voici un exemple parfait de ce que peut être un fighter de MMA. Pas de style spécifique, mais une connaissance de tous les domaines importants. Lutte, JJB, boxe. Avec ce genre de profil, on ne sait jamais à quoi s'attendre. La grande force de ce combattant, c'est cette façon qu'il a de mettre ses adversaires au sol et de les forcer à y rester. Une fois qu'il a pris l'ascendant sur son adversaire, il est très bon en grappling et sait le contrôler. Attendez-vous à le voir appliquer cette stratégie pour le frustrer et lui saper le moral. Présentation de ce combat dans la catégorie des welterweight. L'écart d'âge entre ces deux combattants est de plus de 5 ans et ils ont une taille et une allonge quasiment identiques. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 7 wins, no losses. He stands 6'1" tall, weighing in at 165 pounds. Fighting out of Paris, France, King! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist holding a professional record of 21 wins, 2 losses, and 1 no contest. He stands 5'11" tall, weighing in at 170 pounds. Ben Funky! When the action begins, our referee in charge, Dan Mergliotta. Et pour arbitrer ce combat, Dan Mergliotta. Nous voilà arrivés au moment tant attendu. Sa puissance n'est plus à démontrer, comme nous l'avons vu avec ce superbe KO lors de ce dernier combat. Et le coup de pied ne passe pas. Oh, le coup de pied à la tête qui touche! C'est rare de rester debout après ça! High kick, quelle puissance! Coup de pied à la tête! Il a réussi un superbe takedown! Ce combat ne va pas être du tout cuit! Garde. Ils se relèvent tous les deux. Ils changent de stance. Et on se retrouve à nouveau autour d'un clinch. On va finir par s'user autant qu'eux. Ce sont vraiment des moments où toute votre énergie est siphonnée par l'adversaire. Et voilà, il réussit son takedown. On s'y attendait de toute façon. Oui, avec son style offensif, ça ne pouvait que finir comme ça. Triangle. On ajuste sa position. On passe en side control. Tu peux
Il est en half-guard. Peut-être que c'était juste une glissade. Il s'envoie d'énormes bombes. Oh là là, vraiment un gros travail dans ce clinch pour voir qui va prendre la meilleure position. Oui, quand c'est aussi serré que ça, c'est que vous avez le même niveau, la même technique et que vous voulez faire la même chose que votre adversaire. Et voilà, après ce bon travail des épaules, il arrive à placer son double underhook. Incroyable comme il a réussi sa prise. Et un autre. Il se relève encore, mais ça ne va pas du tout. Coup de genou à la jambe. Oui, les coups de genou, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, je suis assez d'accord sur tout ça. Et le takedown qui envoie son adversaire au sol. Je pense qu'il l'aurait réussi à un moment ou un autre de toute façon. Et il se relève, mais semble mal en point. Il touche avec ce high kick. C'est fini pour le premier round. C'est parti avec les meilleures actions de ce round. On voit bien la puissance du kick ici. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Allez, c'est reparti. Ah, technique parfaite, le coup de pied à la tête. Très bien esquivé. Oh, oh, en pleine tête. Il bloque ce high kick. Ce coup de poing touche à la tête. Il est sonné. Il le touche. Et le voilà au sol qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet, tient son adversaire à distance pour toucher et il le contrôle pour éviter le contre. Oh, superbe arm triangle. Et il a retrouvé ça. Et le triangle n'a plus cours. Combien de fois va-t-il se relever comme ça? Wow, quel coup de pied à la tête! Je ne sais pas. Il va avoir du mal à compter ses plus. Ce coup passe. Quel affrontement incroyable! Il a tout mis dans cette droite et ça passe à côté. Finch! Le coup de poing, oui, c'est bon. Oui, 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 le takedown! J'espère qu'on va le revoir au ralenti. Il est en position de half-guard. Il se relève encore, mais ça ne va pas du tout. Low kick. Et ce kick qui trouve sa cible. Oh, avec une telle technique, il peut y aller les yeux fermés. Il repasse en clinch. Coup de genou au corps. Et encore un takedown. C'est plus qu'une démonstration, là. Ah, c'est à se demander si son adversaire ne fait pas exprès de se laisser attraper et tomber. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il fallait faire face à un adversaire rapproché. C'est un combat pour la domination du clinch. Et ce coup de genou qui arrive au corps. Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir. Overhand du gauche, manqué de peu. Il bloque ce coup de pied à la tête. Kick au corps. C'est pas passé loin. Sa tête avec cette frappe. Et la tête, encore un coup qui touche après cette combinaison incroyable. Ce qui est incroyable, ce serait de savoir pourquoi son adversaire ne se protège pas mieux. Inattention sans doute.
Coup de pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit ce superbe coup de pied à la tête. Revoyons ce superbe coup de pied à la tête. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Ah, la frappe passe bien. Superbe coup de poing pour Jean. Oh, et c'est terminé. Une frappe puissante qui a envoyé son adversaire au tapis et lui octroie la victoire. Petit résumé de ce round en image. On revoit la frappe qui a envoyé son adversaire au sol. On revoit ce coup qui est passé. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Dan Mergliotta calls a stop to this contest at 21 seconds of the third round, declaring the winner by knockout kick. Et voilà, vainqueur par KO. Ah, c'est difficile de faire plus convaincant. Oui, ce sera peut-être le KO de la soirée. Difficile de faire plus spectaculaire. On a adoré. Et le public aussi. Écoutez-les.